Eh bien bonjour à tous les amis, c'est votre jumper chez les Avengers. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi c'est Tony Kel, comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, vous l'avez compris, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on retrouve les Avengers pour un nouveau simulateur dans Roblox. Et d'ailleurs les amis, c'est le tout premier simulateur. On va pas seulement jouer tout simplement tout seul, ni même à deux, mais directement à quatre. Et oui, les amis, dans ce nouveau simulateur nommé Player Super Hero Tycoon, on va pouvoir effectivement jouer à quatre et construire ensemble le nouveau QG, la base des Avengers. Alors moi, bien sûr, je serai Iron Man et on a bien entendu Ant-Man qui sera avec nous, accompagné de Captain America et Hulk. Alors du coup, bon, moi je suppose que moi je suis là. Donc comme vous le voyez, on a bien sûr Captain America et Ant-Man qui ont déjà commencé bien sûr leur base avec leur petit convoyeur. Et du coup on va les rejoindre comme ça pour pouvoir agrandir bien sûr et défendre notre base. Oh waouh, tellement stylé. Alors vous le voyez en plus, hein, c'est bien marqué Avengers au-dessus de ma tête avec bien sûr les personnes qui sont à côté de nous. C'est génial, c'est un truc de fou. On connaissait déjà le Super Hero Simulator et le Super Hero Tycoon en mode 2 joueurs, mais en mode 4 joueurs, c'est un truc de ouf, franchement. C'est un truc de ouf, ça va être génial. J'ai tellement hâte d'avoir l'armure d'Iron Man, quoi. Surtout en ce moment avec, bien sûr, Avengers Endgame, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, les amis, comme vous le voyez, donc déjà d'une, on peut voir que... Alors, attendez, où sont exactement, bien sûr, les trucs... Ah oui, j'ai le cache qui est là directement. Alors, par contre, je suis vachement ralenti, je trouve, quand même. Comment ça se fait que je suis lent comme ça, tu vois? J'ai dû subir, à mon avis, les attaques des autres teams, parce que oui, il n'y a pas que les Avengers, il y a aussi également bien sûr la team DC, donc avec bien entendu Batman et tout. On a même également les Indestructibles, enfin il y a vraiment énormément de teams, ça qui est vraiment génial. Voilà, donc du coup comme vous le savez les amis, on va d'abord améliorer bien sûr les convoyeurs pour pouvoir... Oh regardez, j'ai été rétréci. C'est Ant-Man, il a un pistolet qui rétrécit les gens, mais c'est tellement stylé. C'est beaucoup trop stylé. Alors attendez, c'est où mon cache? Ah, c'est en bas à gauche. Ah, ça se récolte automatiquement, c'est pas mal. Et je vois que on a un timer qui en gros précise que dans moins de 20 secondes on va pouvoir récupérer justement des trucs au milieu. Bon, on ira les chercher après parce que bon, pour l'instant je suis un petit peu petit, tu vois ce que je veux dire. Et on va d'abord améliorer bien entendu la base, voilà. Donc du coup je vais ajouter, voilà, des petits murs comme ça, ça va être vachement cool. Je pourrais mettre quoi? Ouais, un autre mur comme ça, voilà, notre deuxième mur. Voilà, parfait. Et ensuite, alors attendez, je vais essayer de reprendre bien sûr ma taille. Ah voilà, je me sens déjà mieux comme ça. Oui, parce que bon, je ne suis pas Ant-Man, hein. Moi je suis Iron Man, je suis pas censé être petit. Donc du coup on va améliorer les convoyeurs. C'est quand même cool, hein, que ça se récolte automatiquement l'argent. Ça c'est vraiment génial, parce que d'habitude dans ce genre de tycoon il faut absolument aller à l'espèce de banque, hein, qu'on a à l'entrée de notre base. Et du coup je vais racheter, hop, un autre dropper. Oh là là, ces convoyeurs de Iron Man qui sont beaucoup trop stylés, quoi. J'ai tellement hâte d'avoir l'armure. Et là du coup c'est la partie de Ant-Man, d'accord, avec le la fameuse arme qui permet de rétrécir les gens. Est-ce que je peux lui prendre ou pas, étant donné qu'on fait partie des Avengers? Attendez, si je rétrécis, attendez, je vais essayer de... Oh, il y a même des chaussures pour courir plus vite. C'est ça? Ah ouais, c'est ça, ouais. Regardez, on a un speed et tout. Ah, oh, c'est génial. Oh là là, on va tellement plus vite. Alors du coup ça veut dire que je peux rétrécir les gens. C'est quoi ça? Oh, c'est la... Attends, on dirait la base de... C'est la base de Thanos. C'est la base de Thanos. Il y a la base de Thanos. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a la base de Thanos. Ok, très bien. Bon, on va éviter de rester là. Hein, on reviendra quand on aura l'armure. Et là, du coup, attendez, je voulais tester. Je voulais tester. Regardez, voilà, il y a une nouvelle base qui est en train de se construire là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, regardez, justement, notre arme. Et on va essayer de rétrécir les gens. Attends, attends. Si, lui, il bouge pas. Il bouge pas. Regardez. Lui, là-bas, il bouge pas. Non, non, on profite. On va le rétrécir. Est-ce que je peux le rétrécir? Est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas si ça a pas l'air de le rétrécir. Ça a pas l'air de vraiment le rétrécir. Hein. Voilà. Ah, si, c'est bon, regardez, ça marche. Oh, c'est tellement stylé. Et on va bien sûr continuer les amis à améliorer donc le fameux dropper. Voilà, bam bam bam. Oh ouais là, oh, comment c'est trop stylé, comment ça se construit. C'est excellent. Alors par contre je vois qu'il y a tout simplement des intrus qui essayent de rentrer dans notre base. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un mur. Voilà, on va en mettre deux, regardez, voilà. Hop, ça se ferme. Alors par contre j'ai hâte que à côté ils construisent justement, hein, donc ils vont revenir pour pouvoir améliorer la base. Et du coup qu'est-ce que je pourrais faire là? Bah tu me diras, le mieux, ouais, c'est encore d'améliorer notre base. Et là du coup on est chez Captain America. Oh, petit grappin sympa. C'est quoi ça? Ah ouais, on a une arme et tout. Carrément. Attends, ça tombe bien, regarde, il y a une personne qui essaye d'envahir la base. J'en profite, je le tire dessus, voilà. Et là du coup, oh, il y a d'autres trucs. Oh, waouh, mais il y a tellement de trucs. Je me demande s'il va avoir le bouclier au bout d'un moment. Je pense qu'à mon avis c'est possible. Ça va tellement être stylé, quoi. Oh là là,
On se fait attaquer vite. Il faut améliorer la base. Ok les amis, c'est bon. Regardez-moi ça, j'ai amélioré toute la zone des convoyeurs. Oh là là, c'est tellement stylé. On va même pouvoir regarder acheter un dropper supplémentaire. Et on a regardé Captain America qui rejoint les Avengers. Et on est maintenant au complet. On peut voir bien sûr la base de Ant-Man et de Hulk. Et on va bientôt les rattraper. Et maintenant on va pouvoir améliorer justement les murs. Parce que bon, on va quand même éviter les intrusions de Thanos et des autres ennemis qui pourraient avoir dans la zone. Du coup on va acheter un mur supplémentaire. Oh, ça monte tellement vite l'argent. Waouh, c'est un délire. Ah bah, je crois que c'est Ant-Man. Regardez, les chaussures sont beaucoup plus grandes que lui, tu vois. Ok, donc du coup on a 3200. Oui, c'est vrai que c'est quand même automatique. Et ça c'est vachement cool. Voilà, un autre mur. J'ai vu qu'on pouvait acheter aussi également les escaliers. Ah ah, 5350 les escaliers, d'accord, très bien. Bon, par contre, dans 7 minutes, il y a justement des caisses qui vont tomber. Et on pourrait acheter aussi également la petite porte laser. Ouais, ça pourrait être pas mal à 4500. Oh, bah attends, il y avait des armes aussi. Attends, on va avoir quoi comme arme? Est-ce qu'on va obtenir déjà l'armure d'Iron Man? Bon, ça m'étonnerait, à mon avis, je pense qu'on va l'avoir peut-être après. Ok, donc là, on a une arme à plasma, d'accord. Oh, waouh. Ah oui, non, c'est une arme électrique. Waouh, mais ça va te faire tellement mal. Et ça, c'est quoi? Oh, ça sera les chaussures de Iron Man. Les nouvelles chaussures d'Iron Man, le nouveau boost. Oh, on peut sauter tellement haut. Oh, c'est excellent. Alors, attendez, je vais tester l'arme. Tu me diras, j'ai l'impression que je cours plus vite. Ouais, un tout petit peu, tu vois. Fais voir un petit peu là, fais voir la puissance. Oh. Ah ouais, ça fait super mal. Ça fait... Oh, alors, toi, viens là. Viens là, regardez. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à me voir, voilà. Hop, lui, il s'est fait. Il est désintégré, mon pote. Il y avait une autre personne qui était planquée derrière l'arbre là-bas. Allez, viens là, viens là. Je t'attends, je t'attends. Oh là là, oh là là. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Oh là là, on a désintégré tout le monde. Oh, il reste une personne. Il est revenu. Oh, ça fait mal là. Ah, t'as vu, ça fait mal là. Oh là là, oh bah là, eux c'est mort. Eux c'est foutu. Ils ne peuvent rien faire. Bon, du coup, on va en profiter. On va retourner directement. Ah, c'était la base de Batman et tout. Ah, oh là là, tellement stylé. Oh, c'est quoi ça? Encore un coup de Thanos, hein. Ou alors des Avengers, mais bon, je l'aurais su, tu vois, je m'aurais tenu au courant, hein, si c'était mon cas, tu vois. Ok, donc du coup, on va, les amis, maintenant acheter. Bon, on va acheter les escaliers, tiens. On va voir un petit peu, est-ce qu'il y a moyen de voir l'étage. Oh, oui, regardez. Oh, les petits escaliers, là, tranquille. Oh, nickel, et ça va où, là? Weapon Room, ok. Ah, on a perdu, on a perdu Ant-Man. Sa base a été détruite. Et là, du coup, c'est quoi? Convoyeur, oh. On peut acheter les nouveaux convoyeurs. Ah, par contre, c'est moi où j'ai un bras en moins. Je crois que c'est le cas. Ah, c'est à cause de l'arme, tu vois. Oh, excellent. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le mieux, c'est peut-être de mettre une barrière. Parce que la barrière, ça protège au cas où, justement, il n'y a pas assez de base. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais il n'y a pas assez de base, on peut effectivement avoir cette petite barrière, ma foi, fort sympathique. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va, justement, les amis, regardez, acheter la barrière à 6000. Et là, regardez, voilà. Là, les ennemis ne peuvent pas passer autour de ma base au cas où mes potes n'ont pas terminé leur base à côté, tu vois. Et du coup les gens, regardez, j'en ai profité pour améliorer justement les convoyeurs au niveau de l'étage. Et on va pouvoir terminer les amis le rez-de-chaussée. Ok, donc du coup on va acheter bien sûr la sécurité de la porte. Ah bah voilà, de la porte, bah voilà, c'est bon. Regardez. Oh, trop stylé. Oh, tellement stylé ce petit laser là qu'on a au niveau des portes. Oh là là, bah là pour le coup on est carrément, carrément tranquille les amis. Hop, voilà, on prend ça. On va prendre aussi les lumières et on va acheter aussi, bien sûr, les trucs qu'on peut avoir à l'étage. Bah ouais, c'est mieux. Oh, regardez la base de Hulk, elle s'améliore aussi. Oh, c'est tellement cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Weapon Room. Oh, alors attendez, on va acheter d'abord les murs, hein, voilà, comme ça, histoire d'être encore plus protégé. Ça, c'est quoi ça? Le numéro 3. Fais un petit peu. Oh, la petite plateforme qui arrive. Oh, c'est un gant d'Iron Man. Oh, oh là là, tellement génial. Oh bah tiens, ça tombe bien. Viens là. Ok, oh là là, comment je peux me barrer et tout, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Ok, oh, je suis un peu trop près là, vas-y. Alors comme ça, t'as osé t'attaquer aux Avengers. Tu t'es trompé de cible, mon pote. Ah, tu ne sais pas qui on est, mon gars. Ok, voilà, c'est bon, lui, c'est un Avengers. Ok, c'est bon, je valide, je fais attention. Voilà, donc du coup, on va pouvoir acheter, les amis, la quatrième arme. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Oh, waouh. C'est quoi cette arme? Oh, tellement stylé, wow, cette lame qui doit faire tellement, tellement mal. Oh là là, les amis, ça va être le combat, le plus grand des combats dans 6 minutes. Quand les caisses vont arriver, j'essaierai de choper une caisse, ça pourrait être pas mal. Alors, attendez, ça tombe bien, on a un ennemi. Oh, il vole vachement haut, mais par contre, il ne sait pas que moi, je peux le dégommer. Regardez. Oh, je le touche. Mais non, je le touche.
Attends, je vais essayer de l'avoir l'épée. On va essayer de l'avoir l'épée. Attendez, doucement. On monte. Allez, 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 allez. Encore. Encore plus haut. Oula, oh là là. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de rentrer dans la base. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans la base ou pas? Oh, ouais, je pense qu'on peut rentrer. Oh yes. Attends, je vais voler les ailes. Je vais voler les ailes. Oh. Oh. Oh, c'est trop pété. Du coup, regardez, j'ai les ailes. Oh là là. Et est-ce que... Je pense pas que je puisse rentrer la fin un petit peu. Oh si, c'est bon, je peux. Je peux prendre... Oh, je vais voler les gadgets. Attends, je crois que c'est... Non. C'est Black Panther. Je crois que c'était les trucs de Black Panther. Il me semble, j'ai un doute. Ok, oh bah j'ai perdu les jambes, mais... mais je peux toujours m'envoler. Mais c'est excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et ben voilà, bon du coup, on va en profiter. Ah oui, non, je crois que Black Panther est parti en fait. J'ai volé les trucs de Thor, de Spider-Man et Thanos, d'accord, oui, parce que là on voit bien que c'est la base de Thanos. Mais en fait c'est la base de Thanos, d'accord, donc du coup, hop, on va retourner, les amis, du coup, dans notre base. Parce que j'ai pas retrouvé la personne, à mon avis, il me semble qu'elle a quitté. Oh, attends, c'est lui ou pas? Attends, c'est quoi ça? Je vais tester. C'est un truc de ninja. Oh, c'est pour se TP. Oh, regardez. Wow, wow, mais c'est méga stylé. Alors regardez les amis, ils ont tellement pas aimé mon attaque avec Thanos et tout que du coup, regardez les gens, ils ont quitté. Oh, y'a des caisses. Y'a des caisses, y'a des caisses, y'a des caisses. Oh là 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 là. Y'a Thanos qui a ragé, Thanos qui est parti. Ok, c'est quoi dedans? Wow, je crois qu'il y a de l'argent et tout. Mais c'est stylé. Attends, on va voir, j'ai 52 000. Oh là, c'est tellement pratique, les propulseurs à l'Iron Man. Ouais, c'est ça, what? Y'a 20 000 de cash dedans les amis. 20 000, oh on est à 100 000, oh mais c'est génial. Allez les amis, regardez, il y a tellement de monde qui essaie d'attaquer notre base. Il faut la défendre, il faut la défendre. Avengers, rassemblement. Alors attendez, je sors le truc, tia, tia. Voilà, nickel. Ok, lui c'est un collègue, c'est bon, lui il est neutre, il est neutre. Ok, très bien, on va monter en plus. Bah du coup on va utiliser, bah, les amis, un set argent, voilà, étant donné que bah, on a 126 000. Ce qui est quand même assez énorme. Je pense qu'on va acheter du coup un nouvel étage. De toute façon je pense que je peux pas acheter autre chose hein. À mon avis ça m'étonnerait. Voilà, oh la base est tellement en train de devenir grande. Oh, y'a un intrus. Y'a un intrus, y'a un intrus. Il me faut mon armure. Il me faut mon armure. Oh il prend cher quand même. Oh il prend extrêmement cher. Avec son tapis volant là, le Alada là. Ok alors attendez, on va acheter. Oh c'est quoi ça? Ah c'est un truc pour les armes. Et là on a quoi? Oh des convoyeurs. Il y a un nouveau convoyeur. Excellent. Alors attendez, j'arrive à le tirer dessus. Ça va faire un petit peu. Wow. J'aimerais bien voir un petit peu c'est quoi cette arme. Faire un petit peu. Arme numéro 5. Oh là là. Wow. On dirait un sniper. Oh là là, il est tellement stylé ce sniper les amis. Vous savez quoi? On va aller le tester. On va aller attaquer une fois de plus la base de Thanos. Regardez. On va même aller voler les objets. Parce que je crois que c'était les personnes qui essayaient de nous attaquer depuis tout à l'heure. Attendez, on va rentrer dans la base. Voilà, hop. Ça c'est fait. Oh, il me voit pas je crois. Regardez, il me voit pas là-bas. Je sors mon sniper. Je peux tirer dessus, attends, on va éviter de toucher le bord. Je passe. Oh, je l'ai explosé. Je l'ai totalement. Oh attends, il y a une personne là. Attends, je sais pas si. Oh, oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. On va leur voler les objets, regardez. On vole tout. On vole les objets. On vole les objets, est-ce que je peux attaquer? Moi, je l'attaque. Oh, je peux pas, il y a une barrière. Il y a la barrière. Oh, on a le sceptre. Oh, sympa le sceptre. Et hop, du coup, on se barre. Regardez, allez, allez, on s'envole. Voilà. Merci pour l'arme mon pote. Et ça c'est quoi ça? Oh là, je sais pas ce que ça fait. Oh, ça envoie des espèces de boules d'énergie. Ah, pas mal. Alors en plus ça c'est notre base. Alors, attendez, le sniper, je vais réutiliser. Attends, je vais m'envoler. On va s'envoler, vous savez quoi? On va s'envoler. Regardez, voilà, on va se mettre sur le toit. On va se mettre sur le toit de la base de Hulk. Regardez, voilà, bah, on va même directement aller sur la nôtre. Écoute, c'est beaucoup mieux comme ça. On va tirer voilà au sniper. Oh, il y a un intrus. Tiens. On va tester avec le bâton. Je crois que c'est la personne que j'ai attaqué juste avant. Oh, ça fait super mal. Oh là là. Vous avez vu les boules, elles vont automatiquement sur les ennemis, je crois. Il me semble, regarde, si je teste là-bas, attends. Oh, c'est par contre, c'est vachement lent à charger, hein. Oh, le délire, attends, si je tire. Est-ce que ça va... Oh, ça va directement dessus. Oh là là. Et là, du coup, regardez, on peut aller attaquer les personnes parce qu'elles sont paralysées. Tiens. Regarde, hop là. Oh, c'est abusé. Mais c'est trop abusé ce bâton quoi. Ok, on va le garder, regardez. On va essayer de rattaquer Thanos. Attends, on a un intrus là. Tiens. Tiens. Oh là là. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. On va essayer de s'envoler. Alors par contre, je crois que j'ai 100 000 bientôt. Du coup, on devrait peut-être améliorer la base. Ah, j'ai la tête dans le plafond. Ah, au secours. Je suis coincé dans le plafond. Ah, voilà, c'est bon, nickel. Mais je sais pas ce que c'était que ce bug, mais ouais, c'était pas terrible, tu vois. Voilà, donc du coup, hop. Les amis, ce qu'on va faire, on va retourner directement tout en haut. Allez, on se dépêche et on va essayer
justement d'acheter, regardez, une nouvelle arme. Et je veux aussi également améliorer tous les convoyeurs. Comme ça, on sera vraiment au top du top. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est tout petit. Oh, c'est une nouvelle arme. Oh, c'est un espèce de lance-roquette. What? Oh là là, attendez, on va essayer d'aller là-bas. On retourne à la base de... directement de Thanos. Alors, par contre, il y a des barrières invisibles. On va se mettre là, regarde, on va se mettre là. Hop, on enlève ça. Et on sort le lance-roquette. Attention. Oh là. La puissance. Ouais, c'est un peu comme les missiles de Iron Man, quoi. C'est un petit peu près ça, quoi. Oh là là. Waouh. Ils finissent en miettes et tout. Oh, la puissance. Oh là là. C'est complètement... complètement pété, quoi. Honnêtement, je vais mettre là. Attendez, on va attaquer. Oh, il y a une autre personne qui m'attaque. Ça m'attaque. Attends, je me cache. Je me cache et je tire. Et je tire. Lance-missile. Oh là là. Ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Oh, attends, je vais utiliser le bâton. Le bâton. Le bâton. Le bâton qui stun. Le bâton. Oh, le bâton de la muerte. Deux contre un. Trop facile. Attends, est-ce qu'il a rechargé? Non, pas encore. Le lance-missile. Ah, je crois que c'est une Avengers. Bah oui, tu m'étonnes, je peux pas attaquer mes propres collègues. Bon, bah du coup, mission accomplie, hein. On a vaincu toutes les bases. Et, si vous avez... Comment ça, vous êtes pas satisfait? Ah, attendez, regardez. Hop, je vais réessayer, regardez. Hop là, voilà. Vous avez la puissance. Vous avez la puissance de ce bâton. C'est le camp de l'infini de Thanos, quoi. C'est vraiment ça, honnêtement. Ah bah, ça ressemble, hein. Ah, vu la puissance, c'est un petit peu près ça, quoi. Voilà, donc du coup, bah les amis, on est parti. Justement, une fois de plus, pour améliorer la base. Parce qu'au niveau de la puissance, là, on a ce qu'il faut. Mais la base, il faut absolument la terminer. Et les amis, je pense qu'il est grand temps d'améliorer la base une bonne fois pour toutes. Du coup, les amis, regardez, direction notre base. Qui n'arrête pas de se faire attaquer. Mais on la défend super bien avec les abonnés Avengers. On gère complètement. Et du coup, on va pouvoir, eh ben justement, regardez, acheter. Regardez, voilà les murs. Oh, ça va tellement être stylé. Oh là là. Oh, c'est un truc de ouf. On est en train de tout acheter. On est en train de tout acheter. Oh là là là, les lumières. Aussi les lumières. Oh, il nous reste 180 000. Ça va, c'est pas mal. Regardez l'escalier qui est en train de se construire. Oui, la salle. La salle des armes. Oh, je vais pouvoir acheter l'armure. Oh, regardez ça. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Ça y est, je suis Tony Stark, alias Iron Man. Oh là là, c'est tellement... tellement, tellement cool. Et ça, c'est quoi, ça? Attendez, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que j'ai de la... Alors, j'ai plus de place. C'est là le problème. Regardez, attends, on va essayer de t'en faire un petit peu. C'est quoi, ça? Attends, attends, non, je voulais retourner sur la base. C'est quoi, ça? Du coup, j'ai débloqué un nouvel item. Fais un petit peu. Oh, waouh. Double laser. Oh, trop stylé. Ah ouais, c'est tellement puissant. Mais attends, on était déjà surpuissant là. C'est Et là, du coup, attendez, j'ai pas vu, mais en haut de la base, on avait effectivement... je crois qu'on avait Captain America avec nous. Ou non, il me semble que c'était Ant-Man. Nous avions Ant-Man. Et normalement, est-ce que on peut... Ouais, je pense qu'on va pouvoir grimper grâce aux bots. Petite technique, hein, vous pouvez fusionner les bots et à la fois, regardez, hop, la puissance directeur d'Iron Man pour pouvoir aller un petit peu plus haut. Ça, c'est pratique. Et là, du coup, attendez, l'arme numéro 8. Alors, je vais faire de la place dans l'inventaire. On a beaucoup trop de trucs, hein. Qu'est-ce que c'est? Wow. Wow. Un ray gun. Ouais, c'est encore une arme laser. Ah, tu me diras, pour Iron Man, c'est logique, hein, j'ai envie de te dire. Oh, tellement stylé. Et on a encore des convoyeurs, hein. Il y a encore des convoyeurs. Alors, attends. Oh, il y a une personne qui attaque un pote. Viens là. Viens te battre. Oh là, attends. Ouais, j'ai du mal à viser. Eh, on est d'accord que... au niveau de... Ah, attendez, voilà. Au niveau de l'arme, c'est pratique. Alors, attends, on a le bâton, tu me diras. Qui était bien pété. Ah, oh, ouais, non, franchement. Oh, ce bâton-là, qui est comme le gant de l'infini Thanos, il est tellement, tellement puissant. C'est n'importe quoi. Regardez, c'est n'importe quoi. Oh là là, on fait tellement mal. On fait beaucoup trop mal, quoi. Regardez comment on est stylé, quoi. On est vraiment Iron Man, quoi. Oh là là, avec la base des Avengers. Et là, du coup, regarde, il y a tout le monde qui essaye de m'avoir. Il y a tout le monde qui essaye de m'avoir. Attendez, regardez, on va se poser sur le toit. Voilà, par là, regardez, tac. On sort le bâton. Et tiens, c'est la vengeance. La vengeance. Voilà, allez, venez là. Venez vous battre. Ah, attends, c'est vrai, j'avais aussi le lance-roquette. Je sais plus où il est. Je ne sais pas où est passé le lance-roquette. Ah, je vois rien avec les avec les bras, on est d'accord. Ouah, ah oui, c'est vrai que c'est vraiment surpuissant. Alors, est-ce que j'ai rechargé au niveau du bâton ou pas? Oui, c'est bon, c'est rechargé. Regardez, on envoie la sauce. On envoie la puissance. Oh là là, ah ouais, c'est vraiment surpuissant. Franchement, ce bâton là, ça y est, les amis, c'est l'affrontement final. C'est l'affrontement final. Tiens, tiens. Oh, j'ai touché l'autre. Oui, c'est bon, j'ai touché l'autre. On est 2 contre 1. Deux contre 1. Voilà, j'en ai pulvérisé un. J'aurais même plus à parler tellement.
Je suis stressé. Les amis, je suis parti justement rentrer à la base pour aller chercher mon lance-roquette. Et regardez, il y a tellement de monde. Oh là là. Il y a tellement de monde, c'est n'importe quoi. Attends, on va sortir le lance-roquette. Le petit lance-roquette. Allez, vas-y, ça tire. Oh là là, la puissance de ce lance-patate. La puissance. Ouah, ça y est, on l'a désintégré. C'était la personne qu'on essayait de bousiller depuis tout à l'heure. Attends, on va voir, on va viser un petit peu. Tiens, prends ça. Oh là là. Hein, j'ai bien fait de rentrer à la base pour aller pour les prendre le lance-roquette. Hein, j'avoue, il est quand même vraiment, vraiment surpuissant ce lance-missile d'Iron Man, quoi. Attention, attention, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à terminer justement cette base? Et bah, c'est ce qu'on va faire. Regardez-moi ça, ça y est. J'ai acheté les derniers convoyeurs de la base. Oh là là, waouh, on a vraiment la plus grande base du serveur. C'est abusé, même les collègues Avengers, ils n'ont même pas réussi à terminer, tu vois. Ils ont quitté avant, il y en a d'autres qui sont arrivés, tu vois. Donc du coup, regardez ça les amis, on va pouvoir acheter les murs. Oh là là, il y en a tellement. Oh, mais l'argent, ça monte tellement vite. Ça monte tellement vite, regardez en bas à gauche. On gagne quasiment 1000 à la seconde. Mais je crois que c'est ça en fait, on gagne vraiment, regardez, 1000 à la seconde quoi. Ouah, il reste plus que le toit à 67 000. Et bah justement, c'est bon les gens, on va pouvoir, regarder les amis, acheter le fameux toit à 67 000. Oh là là, et après il restera plus que la petite barrière. Ok, décidément, cette base, elle m'a coûté extrêmement cher, mais bon, au moins, on a fini, bah écoutez, et bah le QG des Avengers, parce que pour le coup, c'est le cas. Oh, il y a 5 caisses qui viennent d'arriver. Attendez, on va en profiter, on va récupérer ces caisses qui vont justement bien nous aider à terminer la base des Avengers. Bon, on va... hey, c'est plus la base de Iron Man, mais bon, hein, vu qu'on est 4 voilà, 4 Avengers, forcément, c'est logique, voilà, un petit peu comme la tour Stark qu'il y avait dans Avengers, voilà. Donc du coup, on va en profiter, bah c'est bon, je crois qu'on a assez maintenant, on a assez, waouh, vous avez vu ça? On a 3 étages, oh, on a 3 étages. Alors si tu comptes le rez-de-chaussée, c'est un truc de fou, hein. Franchement, oh là là. Et puis ce perso, tellement stylé. Oh là là, c'est beaucoup trop bien. Voilà, donc du coup, j'ai vu, il y a une personne. Il y a une personne qui est là, attendez, on va en profiter. Je vais acheter la barrière de protection. Voilà, c'est bon, il ne pourra pas venir. Voilà, on est totalement tranquille. Où est-ce qu'il est? Ah, il est au-dessus. Ah bah là, t'es dégoûté, hein. Regarde ça. Oh là là, c'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf, surtout mon arme, regardez comment elle est toujours autant pétée quoi. C'est le cas de dire, elle est vraiment trop trop cheatée quoi. Et ben voilà, et ben les amis, regardez, on a terminé tout simplement la base des Avengers. J'espère justement les amis que vous avez complètement adoré cette vidéo et surtout cette découverte de ce jeu complètement incroyable. Alors oui, bien sûr, hein, j'étais un des seuls à avoir terminé, hein, sur les 4 Avengers la base. Mais bon, en même temps, il fallait être patient, il fallait être téméraire et surpuissant pour terminer cette base. Et on l'a fait les amis, on l'a fait. Bah les amis, justement, j'espère que vous avez complètement adoré ce nouveau Tycoon à 4 joueurs. Si c'est le cas, les amis, qu'on a été, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Pour le coup, je suis quand même assez content. C'est moi qui ai terminé, bien sûr, la base des Avengers en mode Iron Man. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, c'est une question que je vous ai toujours posée, quel est votre Avengers préféré directement, vous me l'écrivez dans les commentaires. Bon, moi, pour moi, c'est facile. Ah, vous le savez, je le joue à chaque fois. C'est bien entendu Iron Man. En tout cas, cette base était vraiment très dure à faire, mais je suis tellement content de l'avoir réussi avec vous et surtout d'avoir joué avec pas mal d'entre vous directement dans ce jeu. Sur ce, merci à tous les amis, Steve Jumper, alias Iron Man dans les Avengers. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao, les amis.